ou sous Wendy 509 ou fait bon choix haïtien tout partout qui branché émission ça actualité a mené nous du côté de Fort National hier soir c'était la panique totale et tout comme à Carrefour dans zone d'Ouya côté en pile coup de balle à tirer c'est la grande panique et bien mon Fort National te vive une situation infernale avec quand même en pile action qui posait après en pile rumeur tractation en pile bricorie qui t'a gagné dans l'opinion côté négo t'a décidé envahi ou bien t'apral envahi Fort National. Selon population civile là, c'est chef gang Dédé ensemble avec Troupli qui campait en diable pour décider envahir zone ça et occuper tout espace là malgré présence base boy là au niveau de zone ci là. Alors, la population civile l'a mandé avec agent boy Dio pour qu'il ça pas intervenu. Yo te gon gens yo répond. Moun ki nan population civile lan ki yo même te campé en mode résistance avec manchette, avec wash, avec tout ça yo joine. Kachapi quand même s'il le faut pour capable empêcher que Dédé avec troupe li envahi Fort National. Agent boy Dio l'a mandé pour qu'il ça pas intervenu. Mais qui réponse que yo te ba à population civile là? Pour ça, il va gagner l'autre pour mettre pied la terre. Et nous, ça, c'est manchette bataille là. Ça, c'est manchette bataille là pour voler qui viennent prendre dans la zone. Parce que même là, tout côté qui a gagné voler, les Fort National, les champions, champions des champions, nous ne pouvons pas voler la zone. Nous faisons ça pour nous, nous ne pouvons pas voler la zone. Nous ne pouvons pas voler la zone. Nous ne pouvons pas voler la zone. Nous ne pouvons pas manger pour nous, nous ne pouvons pas caca. Qui est-ce qui vole la zone? Nek Belé, Dédé. Alors, pas les petits volets par les lios, c'est les gens volés, pas volés nous-mêmes. Nous-mêmes, Fort National, il y a un nouveau directeur de la police qui nous, ça n'a pas dit à vous. Nous t'as souhaité, côté Nomil Lamou, il y a le temps de ça n'a pas dit à vous. Il y a tout commissaire qui a crasé, Nomil Lamou fait monter la lios, ça a fait commissariat là. Nous-mêmes, nous parlons de Fort National comme ça, et pour Nomil Lamou, il y a l'autre, pour mettre pied la terre pour une bataille, parce que la population est à la mer, elle vient nous là. Dédé, il a vu nous à la main là. Elle commence, c'est vrai. Mais nous, le commissariat, nous ne pouvons pas passer de commissariat. Dédé, il est là, il est là. Dédé, à qui est-ce? Chef Bandi Belé. Chef Bandi Belé? Oui. Mais pour qui ça fait une visitation là? Eh bien, il faut avoir besoin. Si on a besoin de foie, si on a besoin de foie, bon, il va le descendre pour battre avec la population. Pas le battre avec la population, il va se manger de bouteille. Pour les avons avec 11 65 avec 11 âmes mais pour nous même nous avec roche à bouteille nous pas contre Karel ça veut dire objectif les gars là et pour commissariat pour commissariat arrêtez tout pour commissariat tout côté pour faire mon guité jeune garçon Fort National depuis boy là mélange mes pieds avec n'a descend en bateau nous pas faire n'a battre avec vous pour Fort National parce que pas prendre foi si on prend foi pour parler national dans monde y'a petit contrôle dans monde. Ça veut dire jeune garçon ça, c'est celle-là qui nous perdit ou bien perdu notre monde dans la zone. Pour le moment là, nous avons plus de victimes, mais pour le moment, c'est monsieur perdu là, pendant que là. Expliquez-nous comment vous prenez. Vous prenez monsieur à la main. Ça veut dire, pas qu'il n'y ait pas de bataille, nous avons avancé sur nous noirs, nous avons bouteille, nous n'avons pas de carreaux à la main. On est bouteille, nous avons fait beaucoup de balles là, ou obligé de replier. Mais celle-là qui était dans le fond là, nous avons avec nous. Nous avons mis son balle, nous avons tout descendu, nous avons mis à la boucle. Là, soir, les gars, vous voulez venir dans la zone, on a petit roche, un petit bouteille, un petit bouteille, les gars, pas la veine, mais nous, on a mangé des graines. Et on a dit, restez-vous à la main comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Disposition, nous avons une manchette, roche, bouteille. Mais qui problème pour la zone à garder des mains? Qui problème pour la zone à garder des mains? Il y a quoi qui problème nous avec nous? Parce que là, les autres qu'on a volé en bas, les autres qu'on a volé en bas, il y a qu'à nous là, et là, on a qu'on vient courir, vient cacher. Premier juillet, ils viennent là, ils sablent nous. Ok, tout citoyen dans la zone, non, c'est dans la rue, nous courons. Ça veut dire pendant ce temps, nous avons dormi, car nous, c'est bon boy, collé boy. Yo. Ok, même si ils viennent là, ils crasent nous, ils tuent nous, nous avons couru, nous prenons roche à bouteille, nous-mêmes sommes roche. Moi-même, c'est un vieux manchette qui est à côté. Ça veut dire que nous n'avons pas d'âme. Ça veut dire que ces citoyens dans la zone, nous ne pouvons pas vivre. Et actuellement là, c'est imagine s'il y a pour nous. Parce que nous pas qu'à vivre là, nous pas qu'à dormir, nous pas qu'à faire rien. Actuellement, là même si tu as besoin de petit bout de l'eau pour aller prendre la carrière, on pas qu'à aller. Au moment où nous sentons nous pas capables encore. Ok? Nous vivons dans un moment, nous pas capables. Nous pas qu'à vivre, nous même quand tu as besoin de pas mettre pied à terre pour aider nous. Et que nous avons monté là, nous faisons ça.
Mon bon hier matin là, nèg a vinn là, l'ando boy là, la monte tire galé met tout tout balio là. OK, il vinn là tire moun là. Ça veut dire nous senti nous pas capable nous mander au secours. On prend pour venir supporter nous pour bay boy l'autre pour aider nous goumer parce que même exam nous pas gagner nous même nous pas pour exam c'est wash manchette bouteille c'est comme ça nous goumer à nèg yo. OK, n'a mandé Nomil Ramo pour le voyer bay nèg yo l'autre. OK, pour nèg yo mettre à terre pour aider nous goumer à boy parce que nous pas capable, nous pas capable dormir la caille, nous pas capable marcher, nous pas capable faire rien. On prend chaque soir dans la rue, la rue bien loin n'a dormi là. OK, nous pas capable dormir la caille, nous senti nous pas capable encore. Ça veut dire nous senti nous à bout. OK, nous à bout à ça qu'a fait là parce que yo vinn là yo prend grand monde, yo prend petit monde, yo prend plusieurs monde. Mais yo vinn là yo prend baba là. OK, y aller au couper tête ni au boulot. Ça veut dire mes amis, on citoyen nos zones nous pas capable, nous senti nous pas capable. OK, n'a mandé Nomil Ramo pour le fond rang pour nous. Alors, population a mandé à mon Nomil pour le faire en gens pressé pressé pour capable mener opération au niveau de zone ça ou bien engager agent Boydio dans opération qui t'a doué mener à démantèlement de gang qui gagne au niveau de et Bel Air parce que une bagarre qui fait que moun nan Front National pas ka dormir en paix, pas ka vivre en paix. La raison c'est que gagne Dédé qui campé en diable comme chef gang dans niveau Bel Air qui décidé que faut le prendre Fort National occupé li mais ça belle a pu occuper base Boydlan ou bien c'est Boydlan que n'a besoin faire quitter zone là puis être capable établir autorité pa yo. C'est un véritable classique. Tout côté n'a prend yo, yo pas quitter au grand commissariat. Gardez ça arrivé avec commissariat au niveau de Saint-Charles dans Carrefour et déjà gagne des menaces sous commissariat Carrefour là qui capable passer en bas flamme du feu. Donc Fon dit que population s'est vraiment des opérations en urgence. Mais malheureusement, selon ça nous comprenne tout, opération pas qu'a fait dans courir pressé parce que son bail qui mandé pour bien planifier. Parce que opération pas gagne une seule phase, police paraît ou tirer coup de balle, faire mon courir et établir dans zone non. Mais non, opération généralement gagne plusieurs phases là-dedans. Grande première phase, son phase côté au besoin qu'on qui ça qu'a passé dans zone dans moment c'est ça relé renseignement avec intelligence. Gon deuxième phase côté l'offin qu'on ça qu'a passé en dedans ou arranger tout pour pénétrer dans espace ça ou le ça son bataille corps à corps son bataille descend char mettez pied à terre marcher sous bandit. Alors gon troisième phase qui est important c'est phase côté l'offin entrer nan fief gang yo fè ou kouri, faut tabli présent sou. Tant kou, mettez des cellules et commissariat s'il le faut bien sous commissariat et tout établi présence la police ou bien l'armée dans zone que ou récupéré yo. Et puis enfin, gagné l'état qui doit intervenir par la suite. La police a sécurisé zone que le prend yo et puis l'état vini pour mettre des programmes pour éviter que ti sacrété yo pas retourner dans gang pour la plus belle. Qui donc, face à yo, yo extrêmement important. Et avant faire opération, faut qu'on prépare ou dans ce sens. Donc, c'est vrai que population a besoin d'opération en urgence. C'est vrai, problème nan, li compliqué. Mais, dans ce sens, ça, faut obligé de comprendre la police, oui. Parce que la police n'a pas qu'à porter tête à la mouche qui non plus. Faut qu'il prépare opération yo, pour éviter que gagnons l'autre 12 mars 2021. Nous sommes drame ça qui t'est passé au niveau de village de Dieu. Alors, pendant la information qui a créé des espoirs dans la population avec gang yo qui a mettre instabilité dans le pays, qui a créé chaos parce que nek sa yo même yo objectif pa yo. Li important tout pour nous ba écho avec conseil de initiative qui veut prendre pour créer espoir dans le pays. Parce que moun ki rete en Haïti yo, fok yo jwenn une possibilité pour yo vivre en dan peyi a. Donc, toute initiative qui vise à créer l'espoir nan tête, nan cœur, tout si haïtien ki rete la nan peyi d'Haïti, eh bien, nous oblige à encourager yo parce que même sou de yo, Haïti a oblige bay bourad, oblige faire écho de tout ça ka prend comme initiative qui visait créer l'espoir. Nan sa sa gen docteur Jean-Palais Maturin
qui lui-même t'est passé dans l'émission Micro Vérité, qui t'a parlé de un programme, alors de un gros projet qui t'a dû faire sous pays là, dans jour qu'a venir là aussi autorité yo bye feu vert pour permettre que programme ça li atterri dans zone férié qui tout près fort liberté. Qui ça bagay la yé? Là on a parlé de Oasis Village, village Oasis. Tout d'abord qui ça projet a yé pour auditeurs, téléspectateurs également internautes au capteur du matin. Projet Oasis Village zone franche internationale. Et c'est un projet et d'investissement privé. Et mais qui pral installer li dans commune Ferrier et dans département nord-est pays d'Haïti. Projet après situé dans commune Ferrier et commune Ferrier trouvé li entre commune Fort Liberté et commune Wanamet. Et projet ça son projet nous dit d'investissement privé son un partenariat que nous-mêmes qui gagne une entreprise ou groupe qui relé Haïti Développement Industriel International SA. Sigli c'est ADI SA. ADII SA. ADI SA font partenariat avec un grand groupe et d'industriels, un grand groupe de technologie et qui lui-même embrassé un paquet de secteurs d'activité. Et avec groupe ça, nous prend l'engagement pour nous développer sous et territoire férié, en particulier sous communauté qui est les Moncas et sous zone d'Irak qui baille sur la baie de Mansenir dans le nord-est. Projet ça, ça le fait. Et dans 5 premières années projet ça, n'a gagné et 19 entreprises internationales qui pral installer en dans 19 entreprises internationales qui vient installer pour produire. Parce que pas oublier que une zone franche et li gen doit produire dans pays ya, mais gen des règlements, li pas obligé voyer bagaille vinn dans pays ya. Parce que une zone franche internationale sont sorte de zone de marché qui a produit pour fournir à marché international. OK. N'a retourné sous ça parce que particularité gen dans projet Oasis là, nous pral mettre en application une règle qui gen dans loi sur investissement dans pays ya, qui autorise ça qu'a fait dans zone franche là qu'a exporter vers Haïti jusqu'à 30% de ça qu'a fait dans zone franche là. Ah, correct. Ça nous pral gagner pour nous parler de ça pour comprendre ça pral fait parce que jusqu'à présent pays a fait des zones franches qu'a produit uniquement pour voyer à l'étranger. Et nous avons expliqué tout pour qui raison qui fait c'est seulement produit pour vous à l'étranger qui fait là. Maintenant, on y a Oasis Village qui a 19 entreprises. Et puis, comme nous fait évaluation de l'environnement que le projet après aller, tout service. Alors, 19 entreprises étrangères. Sorti à l'étranger qui a fait service là. Qui a fait production bien avec service. En dans zone franche là pour retourner à service ça sur le marché international. Traditionnellement presque toute zone franche qui gagne dans pays y a fait un produit et y a gagne un marché. Un produit au marché. On produit au marché. Zone franche ça lui-même nous a gardé son place commerciale internationale que la pied. Il y a déjà pour commencer il y a 19 entreprises donc 19 filières industrielles qui a demandé 19 ensemble de connaissances et de compétences moon. Et puis en plus yo tout gen marché international yo kapten yo déjà. Donc n'a vini avec un groupe d'investisseurs qui mène capital yo, qui mène compétences yo, qui mène matériel yo, mais qui mène marché par yo tout. Donc ça veut dire que c'est y a ouvri une porte sur marché international là à partir d'Haïti. Non, c'est clair. Ça c'est pour activité. Kounyen projet et 19 entreprises ça yo, nous l'en aller value environnement nous rend compte que tout service ou pral besoin pour faire zone franche là fonctionner pas exister. Ou pas gain port. Ou pas gain électricité. Aïe aïe aïe. Ou pas gain entrepôt produits pétroliers. Ou pas gain entrepôt produits gaziers. Même téléphonie de pour traverser commune de Fort Liberté ou pour aller vers Wanamet de pour fin traverser Fort Liberté ou attendre des téléphones dominicains. Couvri zone là yo di bienvenido en la République Dominicaine. Rapide. Ça veut dire qu'on pas même dans territoire la caillou encore. Banque. Bon, pas gain l'argent. On pas bien boyal. Non, bon, 6 services essentiels qui dans sens constituer environnement productif en dans pays, on pas parler de transport,
on pas parler de habitat, on pas parler de l'hôpital pour bail soin etc. Six services essentiels ça que me dit yo pas existé pratiquement dans environnement ça pour à dimension industrielle. Donc nous négocier avec six groupes internationaux qui viennent ajouter sur 19 entreprises parce que zone franche ça l'a fonctionné 24 sur 24. Et pour fonctionner 24 sur 24, faut gagner électricité. Donc nous négocions à 6 groupes pour service ça que nous pas bon comme nous il y a pas bon nous signons un accord électricité partenariat pour un port électricité produits pétroliers produits gaziers téléphonie banking pour qui ça 19 entreprises ça on va créer 16,000 jobs professionnels 16,000 jobs professionnels on va emploi direct emploi 19 et 16,000 emplois directs dans 16,000 emplois directs ça, compagnie étrangère va venir avec 3,000 et nous-mêmes en Haïti nous gain pour nous fournir 13,000. Compagnie pour compte pa yo a bay 3,000. Il a venir avec 3,000. 3,000. Okay. Nous-mêmes n'a gain pour nous bay 13,000. 13,000, OK. Kounia, ça c'est emploi direct en dedans zone franche là. 16,000 emplois ça dans pays qui structuré, 16,000 emplois ça t'a gain pour entraîner création de 80,000 emplois indirects. 16,000 emplois ça a entraîné avec lui 80,000 emplois indirects. Maintenant, cet état que nous y là, ça veut dire que chaque emploi direct ça, il faut attendre nous que nous cabaille entre 12 et 15 jobs indirects. Autrement dit, minimum quantité emploi qui peut aller pour déployer dans la région nord là, autour de projet Oasis Village là. Et là, nous allons regarder qu'on y a, là, on a une zone qui pas gagne électricité. Si production électricité a fait en zone franche là, nous tout prévoit groupe qui négocie avec nous qui vient dans zone franche là. Il dit nous que là, commencer par installer 150 mégawatts d'électricité. 150 mégawatts d'électricité. 150 mégawatts d'électricité, ça veut dire qui ça? Sous prend l'ensemble de la région métropolitaine. 150 mégawatts électricité pour commencer. Pour qui ça? Parce que yon nan seul 150 nazo on gogoze. Toujours penser pays à petit. Tandis que là, on a parlé de développement industriel et si gagne de développement industriel qu'a fait non point, faut li rayonner sur ensemble de zones qui autour de point. Absolument, faut que moun zone nan bénéficie. Projet ça, l'a situé dans le département du Nord-Est. Nous prévoit effet d'entraînement pour blailler sur les 5 départements qui associés à la région Nord. Ça veut dire qui ça? Je dis à la Soupran et département Nord-Est là, pour fonctionner sans le bagage industrie, en tout cas ajouter, il besoin de gagner un minimum de 15 MW d'électricité. Soupran département du Nord. Département Nord-Est là. Nord-Est là. Besoin 15 MW. 15 MW, ça veut dire pas qu'on gagne industrie qui a demandé quoi. Soupran département du Nord, il a besoin au minimum de 25 MW pour juste pour permettre que mon yo fonctionne. Nous pas quoi parler d'industrie cap. Non, on parle de coût 24 sur 24. Non, là on parle d'électricité, disponibilité énergie 24 sur 24 parce qu'un citoyen dans une communauté doit pouvoir disposer de les besoin pour information, lui information en temps réel. Électricité a été pour la ville les amis. Donc c'est ça son gros état que pays a hein, parce que pas gagne électricité. OK. Donc bon, sur deux départements ça qui très proche, Nord-Est et Nord. En minimum 40 MW ta nécessaire pour bagay. Donc nous dimensionner partenaire a dit m'a commencé par créer 150 MW pour non seulement m'ka servi 19 entreprises qui en dans zone franche là mais n'a pas mesure de vendre comme loi pays a autorisé vendre des licences à des opérateurs haïtiens que ce soit EDH que ce soit de groupe privé pour vendre yo production énergie ça. Qu'on y a eux-mêmes, ils vont le dégager, pour faire investissement, pour prendre dans zone franche, dans pas de zone franche là, pour transporter lui, à le distribuer dans le département ça. Ça c'est première phase projet. Pour bon, à titre d'exemple, entreprise qui peut l'installer, 19 entreprises. Bien ou seule entreprise qui déjà lui-même lui besoin 54 MW d'électricité pour fonctionner. On seul dans l'entreprise. Un seul. Ça veut dire ça? Non. Ou pas qu'à dépendre des petits fournisseurs de York, qui prennent pied. Non, non, là, on va parler, c'est ça, parler de. Parce que nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas production industrielle. Nous ne pouvons pas production industrielle parce que le pays n'a pas de travail. Loi pays a permet, une loi qui a adopté qui dit que le pays a produit, qui a travaillé pendant 3 chiffres, donc 3 fois et 8 heures. Mais en général, c'est un seul chiffre, nous travaillons. Bon. Donc, et 8 heures, 4 heures.
Et c'est ça qui fait que, bon, tout un ensemble de conditions dans l'environnement qui fait que on pas qu'à travailler plus que ça. Mm-hmm. Maintenant, dans la zone franche Oasis Village, système qu'a mis en place là prévoit pour le travail 24 heures sur 24. Parce que marché mondial là, pas de temps pour le perdre lui-même. Mm-hmm. Marché mondial là, t'as une production livrée dans l'air pour le livrer mm-hmm. et dans condition pour le livrer. Mm-hmm. Donc, nous-mêmes, on a créé l'environnement pour permettre que toute production qu'a faite dans la zone franche là, acheminer vers le marché mondial mm-hmm. sans aucune hésitation. Mais qui bon nous y est? Pour moment pas lié. Et nous avons des négociations très avancées. Parce que nous sommes alors nous avons du papier, il y a un bail qui là. Et je me rappelle la dernière fois, d'attendre où c'est un projet qui était censé bloquer parce que le gouvernement n'a pas semblé pas de jambes nous et ça nous débute en termes d'autorisation. Comment ça y est pour le moment? Le gouvernement n'a pas de jambes bail dernière réponse que nous avons besoin. Alors que le ministère commerce te répond très favorablement, le ministère économie et finance te répond très favorablement. Sauf que. Ah, donc, un projet qu'on s'arrive, non, le gouvernement a que... fait fidélité. Non, il n'a pas fait fidélité, mais le ministère qui est censé concerner réagit très favorablement. Le problème, c'est que compte tenu de taille investissement qui prend quelqu'un pour fête là, ministre qui est censé siéger dans le Conseil national zone franche, il a dit, docteur Mathurin, on va le mettre un petit peu plus que 620 millions de dollars et pour aménager ce site là. C'est-à-dire que sans pas qu'on ait un investissement direct, c'est pour aménagement espace là pour accueillir investisseurs. On a bien pour mettre 621 millions de dollars à peu près dépensés en dans pays. Je l'ai dit que niveau d'investissement, ça a eu, faut nous gagner non objection de premier ministre. Et malheureusement, le premier ministre qui passait, et tout le monde, docteur Ariel Henry, tout le monde a parlé avec lui, il était dit son projet extrêmement qui intéressait extrêmement, mais que il était trois problèmes politiques pour le fin résoudre, faut le fin résoudre problème politique ça eux, avant cela, après ça la garder ça. Mais c'est erreur ça, c'est un erreur dans la mesure où problème ça où est les problèmes politiques jodi a qui toujours là. Et problème est toujours là, mais le premier ministre Ariel parle encore. Mais ça n'a pas, pas résolu le problème. Et c'est pour le comprendre. Ça, tu as pas pour pays. Fondement problème dans le pays, en premier ensemble avec nous, qui ça oui. Fondement problème que le pays a confronté. Le premier bagage, c'est que le pays n'a pas créé opportunité pour petit Lio. Absolument. Et s'il n'a pas créé opportunité pour petit Lio, petit ça a obligé de bailler tête yo, des conditions pour vivre. Absolument. C'est opportunité, c'est travail. C'est valorisation de monde. Donc, lorsque ou non pays côté qu'on pas joué une possibilité, ou fin étudier, ou bien ou ap étudier, ou t'as bien aimé travail pour prendre soin de tout, ou pas qu'à joué ni, donc côté ou joué tout couvert devant, on rentre la donne. Donc, nous t'expliquer, Mounio, que l'on pays pas produit travail, l'on pays pas absorber moun que le fait, pays assez plus problème que la baille tête li. Je veux dire, après tout le monde, c'est politique que besoin de faire. Politique, dans toute bagaille. Sinon, en pile monde obligé à l'investir dans la gang. Ça que fait si ça a choisi, c'est parce que pas gain l'autre opportunité pour valoriser courage, valoriser temps. Donc, en cas de ça, premier facteur qui stabilise une société, c'est emploi. Emploi. Donc, il faut qu'il y ait travail. Faut qu'il y ait travail. Et faut me dire que ce groupe qui s'appelle ADSA, projet Oasis Village, là, c'est une dans une longue série de demandes étrangères que nous gagnons pour installer tout autour du pays des activités qui ont généré travail, génération d'emploi pour tout degré, tout niveau de qualification et dans tout champ d'expertise. À titre d'exemple, 13 000 jobs directs, ça m'a parlé, 13 000 emplois professionnels, ça malheureusement, je vous dis, le pays a un droit, pas des ressources humaines pour prendre. Et c'est ça. Non, nous avons déjà frappé sur stock ressources humaines qui dans la diaspora. Nous avons essayé de taper dans le pays parce que l'on définit profil de formation qui est nécessaire pour permettre que bail un job mais ou risquer pas jouer en pile parce que une série de métiers n'ont pas formé mon adhère en Haïti. Que donc pour le moment on a parlé est-ce que vraiment nous rejoignons ça notre marché. Nous avons avancé sur nous avons avancé très bien et chapeau. Un projet comme ça, il peut contribuer dans tous les trois niveaux pour aider le pays. Absolument. Ouais. Parce que lors où capable d'électrifier une région, quantité de jobs que l'électricité arrive dans une région capable d'engendrer, ou pas une idée. L'exemple que tout le monde dans la région nord-est connaît, c'est que l'EMTAP fait projet parc industriel Caracol, l'EMAL Caracol, tu as 6 000 personnes seulement qui sont dans toute commune Caracol. 6 000 personnes. 6 000 personnes. Nous créer. Oui, zone et parc industriel Caracol là, 5 ans après, il y a 27 000 personnes qui travaillent travaillé sur Caracol. Ça a transformé toute commune qui est autour de Caracol. Et je dis là,
grâce à l'électricité qui a produit dans Caracol là, 5 communes qui autour de Caracol, yo tout te gen électricité 24 sur 24. Eh bien, l'électricité, ça a pral fait que niveau la vie moun yo significativement augmenté. Maintenant, Gounia, si Gounia nous lance projet, et nous espérons que très bientôt, nous lancer le projet Oasis Village. Et automatiquement que Oasis Village commence à travailler, Oasis Village pral en mesure de commencer par réexporter vers Haïti un certain nombre de services essentiels. Un bon port international à grande capacité qui a fonctionné, pour pas servir zone fraîche seulement, pour a servir Haïti. Et pour observer région nord là. On y a si nous prenons 19 entreprises là, parce que pour nous avoir une idée de qui métier qu'on va mener là. Son méga, son barrage. Non mais c'est ça. Fait. Alors faut utiliser tout pays là. Faut me dire que au départ, partenaire moi, il pas demandé pour nous faire une zone fraîche. Partenaire te dit docteur Mathieu, nous envie faire une zone économique spéciale ensemble avec vous. Est-ce que Haïti ca recevoir? Moi relé acteur autorité haïtien au mandé. Nous dit docteur Mathieu, ou connaît loi pays a pas permettre que nous fait zone économique spéciale, mais ces zones franches qui permettent nous faire. Souvelez, nous ca permettre qu'on commencer par créer une zone franche, quitte à ce que nous ca faire loi évoluer plus tard pour aller vers une zone économique spéciale. Qui ça qu'une zone franche? Une zone franche sont partie dans territoire qu'on isolé et qu'on mette disponible pour la production de richesses destinées d'abord au marché international. Donc, si l'isoler, ça veut dire qu'en dans zone franche, là, on n'a pas de problème pour personnellement assurer sécurité. Maintenant, zone économique spéciale, là, lui-même, son ville d'affaires. Son méga ville, mais son ville d'affaires, côté de la tout métier, tout bagaille. Mais sauf que pour entrer là-dedans, il faut montrer patte blanche. Cette histoire que vagabond, okay. Okay. Monde qui a débarqué. La sécurité, pour... tout bas. Non, ça veut dire que pour entrer là-dedans, que c'est président, directeur général, compagnie qui a rentré, il faut lui montrer. Faut machine ni contrôler. Elle a rentré dans l'espace là. Parce que quel que soit le monde qui a rentré dans l'espace comme ça, capoter toute forme de danger vient dans l'espace. Donc, dans le ferrier qui a commencé, ouais, des bagailles, construction. Il dépend de l'autorité haïtienne. Mise en place à fait pour nous avancer. L'autorité haïtienne promet nous qu'il y a avancé pour nous finaliser partie qui responsabilité pour capable bail autorisation. Nous mettons ça. Oui, nous et là tout bagaille dépend de c'est nous même. Donc nous espérons que très bientôt n'a capable gagner première réponse ça. À partir du moment que nous gagne première autorisation, nous gagne selon la loi 180 jours pour que non seulement appantage fait et éventuellement clôture de site là fait mais tout pour nous gagne faire pose première pierre de lancement projet. Moi-même, il y a plusieurs non, 19 entreprises. Ça, vous me dites qui ça, oui, 19 entreprises. Il y a une entreprise qui est dans le domaine mécanique et électrotechnique. Mécanique à la fois dans la fabrication des pièces d'automobile, mais tout dans l'assemblage automobile. Assemblage automobile. Ça, c'est une. Vous gagnez dans tout ça qui concernait le secteur de télévision et des appuis avec les technologies et numériques. Ça veut dire que ce soit pour assembler des télévisions, pour assembler des téléphones, des ordinateurs, etc. Vous gagnez plusieurs sociétés qui viennent travailler dans le secteur ça. Ah, sérieux. Vous gagnez des entreprises dans le domaine de la pharmacie et de la biotechnologie. Capable de produire des médicaments pour le marché international. À titre d'exemple, il y a une société qui vient dans le secteur bio et pharmacie, qui a 54 brevets, donc 54 lignes de fabrication de médicaments pour retourner sur le marché international. Donc, et il y a des sociétés qui vont faire raffinage de l'or, du diamant et d'autres produits associés. Et entreprise ça, tout métier ça, je dis, il n'y a pas de monde dans le pays qui maîtrise le domaine ça. Ou une entreprise qui spécialise dans la conception et assemblage des quartiers. Parce que dans le monde, vu aujourd'hui, là, on a décidé de dire qu'on nous prend un quartier qui est chaud dans le Port-au-Prince. Est-ce qu'on est que une compagnie qui est dans la zone franche Oasis Village, là, si l'État haïtien fait un contrat avec lui, dit produit pour moi dans des conditions franches, ça veut dire comme si on son grossis, sur le marché international, là, on fait une commande directe là. Par exemple, si vous dites qu'on va acheter un automobile, si vous achetez un automobile là, directement dans la Mercedes, l'automobile ça a cap 250 000 $ dehors, mais les Mercedes finalisent le remettre. L'automobile là ne va pas coûter 50 000 $. Donc c'est dans conditions optimales auprès de fabricants directement que l'État haïtien a commandé. On suppose que l'État haïtien va son commande auprès d'une entreprise qui a conceptualisé et fabriqué des logements, des quartiers. Et puis il dit que moi besoin que ou reconstituer pour moi selon tel schéma et livrer ben moi dans 6 mois des habitats